Julien, il y avait beaucoup d'espoir avant ce match, et au final, ça s'est mal passé avec cette défaite 1-0. Comment tu analyses cette rencontre et cette défaite à domicile ? Bon, on est très déçus parce qu'on avait à cœur de bien commencer l'année. Je pense qu'on n'a pas fait un mauvais match, mais malheureusement, ce soir, ça n'a pas suffi pour repartir avec les 3 points. Il faut qu'on persévère, il faut qu'on continue à travailler pour inverser cette tendance qui est pas facile. 11 points de retard sur le premier numéro de l'Eglade à 18 journées de la fin. Comment y croire encore? Comment garder espoir? On est obligé d'y croire. Il y a la vie d'un club, il y a des salariés, il y a des supporters qui sont là derrière nous. On est obligé de se battre et on va se battre jusqu'au bout. Les supporters vous ont accompagné avant le match? Ils vous ont encouragé tout le match? Quel message t'as à leur donner? Ah, je veux leur dire un grand merci. Un grand merci parce que ça fait plaisir. Ils nous ont toujours accompagnés. On sait qu'ils sont derrière nous et c'est à nous de leur rendre maintenant sur le terrain. Malheureusement, ce soir, on n'a pas réussi à le faire, mais je pense que l'équipe a malgré tout montré un beau visage. Tu trouves qu'il y a des améliorations dans l'équipe ? Oui, bien sûr. On a vu une équipe qui avait de l'envie, une équipe qui voulait essayer de remporter ce match, mais avec le mood du moment, malheureusement, il faut qu'on persévère et qu'on inverse tout ça. Merci beaucoup, Julien. Merci.